Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais à l'instant, ce week-end de terreur vécu à l'entrée de Bamenda, une capitale régionale du Nord-Ouest, coupée du reste du Cameroun à la suite d'une attaque menée par des groupes armés. Plusieurs bus gros porteurs ont été incendiés, des cartes d'identité détruites, des voyageurs ont vu cité détruite. Des voyageurs, environ une centaine, immobilisés durant des heures. Ils ont vécu l'horreur durant toute une nuit du côté de Bamenda. Le récit des faits avec Donald Brice Kamgan. Des usagers désemparés, des longues files d'attente en provenance ou en direction de Bamenda. La circulation a ainsi été interrompue dans la localité de Akoum-Et, département de la Mésam, dans la région du Nord-Ouest. D'après des témoins, tout commence lorsque plusieurs centaines d'individus armés interceptent des bus des agences faisant cette ligne. Il est 21h samedi. L'ordre est intimé à tous les passagers de descendre. Interdiction formelle de passer un coup de fil. Les téléphones sont systématiquement retirés. Les bus sont saccagés. Tous les cinq appartenant à la compagnie de transport Amoumézam, bien connue dans la région. L'un des chauffeurs de l'agence est abattu sur place. 3 heures d'opération au cours de laquelle les engins d'une société de travaux publics dans la zone sont incendiés. La chaussée est détruite sur plusieurs mètres. Après ces violences, le couvre-feu est de retour dans la région du Nord-Ouest. Décision du gouverneur Adolphe Lalé-Lafric. Interdiction stricte de sortie entre 18h et 6h du matin jusqu'à nouvel avis. Le blocus imposé ce week-end à l'entrée de Bamenda se greffe à la multiplication des attaques et enlèvements ces dernières semaines dans les deux régions en crise. Les enlèvements ont entre autres visé les membres de la communauté éducative depuis le 3 septembre dernier, date officielle de la reprise des cours. Et vous l'avez suivi, cette crise anglophone et ses conséquences socio-économiques sont un véritable casse-tête pour le gouvernement. L'évaluation de la gestion de la crise anglophone est au cœur de la conférence semestrielle des gouverneurs réunie à Yaoundé. Et le ministre Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale, n'a pas manqué une fois de plus de critiquer ces groupes armés qui sévissent dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Des précisions avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. C'est une conférence des gouverneurs soumise au rythme de l'actualité qui vient de se tenir à Yaoundé. L'élection présidentielle du 7 octobre prochain et la crise anglophone étaient à son menu. D'emblée, abordant l'élection présidentielle, le ministre de l'administration territoriale a posé quel est souvent le moment de perturbation en Afrique. En Afrique, l'élection présidentielle est le moment dont se servent des politiciens véreux et autres aventurés pour prêcher la haine, la division et la désinformation. Bref, les excès verbaux sont le lot quotidien de ceux qui, sachant à l'avance que le résultat final leur sera défavorable, tentent par tous les moyens de manipuler les citoyens. Aussitôt, il a indiqué que les partis politiques au Cameroun ont à intégrer qu'il est leur tutelle avec tout ce que cela comporte comme conséquence. Le ministère de l'administration territoriale assure la tutelle des partis politiques. Toutes ces organisations placées sous la tutelle du ministre de l'administration territoriale sont agréées sur la base des textes en vigueur. J'attends donc de chacun d'eux un comportement exemplaire, une attitude responsable et un langage mesuré avant, pendant et après le scrutin présidentiel du 7 octobre 2018. Dans la foulée, il a alors enjoint le gouverneur de veiller au bon déroulement du scrutin tout en faisant respecter l'autorité de l'État. Les gouverneurs de région doivent veiller au respect des dispositions légales qui encadrent les activités des partis politiques et des ONG durant toute la période électorale. L'autorité de l'État doit être respectée par les acteurs politiques. La loi, c'est la loi. Elle doit être appliquée et respectée. Personne n'est au-dessus de la loi. Toujours au gouverneur, il a prescrit de veiller à la sécurité des candidats à l'élection présidentielle, singulièrement dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Monsieur le gouverneur des régions, assurez l'encadrement sécuritaire de tous les candidats
à l'élection présidentielle, surtout ceux qui vont se déployer dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. À cet effet, j'invite les candidats à ce scrutin à bien vouloir faire parvenir au gouverneur, préfet, sous-préfet de ces deux régions le calendrier précis de leur descente sur le terrain. S'agissant de la crise anglophone, le ministre de l'administration territoriale a dénoncé les sécessionnistes pour leur violence. Alors que l'éradication de la secte Boko Haram connaît des avancées significatives, des terroristes, qui ne sont qu'une infime minorité, se réclamant d'un mouvement sécessionniste, tentent désespérément de perturber la quiétude des populations dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Pour le ministre de l'administration territoriale, dans cette crise, le président de la République a fait tenir un dialogue inclusif, allant même plus loin que les demandes formulées. Pourtant, selon lui, les sécessionnistes n'en démordent pas. Le tout, a-t-il conclu, sous le regard et le silence assourdissant des organisations de défense des droits humains qui ne condamnent guère ces actes de violence. Et je vous propose à présent de suivre le ministre Paul Attanguindi en charge de l'administration territoriale. Il tire à boulet rouge sur ces groupes armés séparatistes qui sèment la terreur dans les régions anglophones. Aujourd'hui, et je dirais malheureusement, les terroristes n'en démordent pas. Les écoles sont toujours attaquées et incendiées. Les hôpitaux sont incendiés. Les édifices publics et privés sont attaqués et détruits. Les élèves sont kidnappés, battus, violés avant d'être libérés après paiement de rançon. Des éléments de nos forces de défense et de sécurité sont froidement abattus. Des investissements privés sont vandalisés. Des messages de haine prônant l'épuration ethnique sont diffusés par des terroristes dans les réseaux sociaux et dans l'indifférence totale des ONG internationales promptes à critiquer le gouvernement. Ces atrocités sont planifiées par des Camerounais sans scrupules résidant à l'étranger avec la complicité d'autres compatriotes au pays généralement drogués. Tôt ou tard, ils répondront de leur forfait devant les instances judiciaires compétentes. Et parlons de la situation sécuritaire dans la région de l'Est, elle s'est quelque peu améliorée, c'est en tout cas le constat que fait le gouverneur de cette région, dans laquelle une région confrontée à un afflux des réfugiés centrafricains. Je vous propose de l'écouter. La sécurité transfrontalière s'améliore, cette amélioration se poursuit, et donc on a de moins en moins d'enlèvements, de moins en moins de bandes armées qui s'infiltrent sur notre territoire et nous entendons faire en sorte que cette tendance se poursuive. Dans le chapitre consacré à la présidentielle, des Camerounais redoutent une coupure d'Internet le 7 octobre 2018, jour de l'élection présidentielle. Des rumeurs persistantes ont circulé sur les réseaux sociaux et viennent d'être démenties dans un communiqué du ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libon-Liquin, qui dénonce des grossières manipulations et un fake news. Selon le ministre des Postes et Télécommunications, il n'existe aucun projet de coupure d'Internet entre le 7 et le 9 octobre 2018 au Cameroun. Que se passe-t-il sur le chantier de construction de la route Sangmélima-Bikoula-Djoum? Les populations se plaignent du non-paiement des indemnisations. Pourtant, les travaux ont démarré depuis quelques années sur ce chantier qui fait partie d'un corridor sous-régional devant relier Brazzaville au Congo à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Plusieurs tronçons ont été abandonnés, entraînant de fait de nombreux retards dans la livraison de ce chantier. C'est une enquête que signent Charles Mélingui et Marcelin Gansop. Sur cette route en construction, les premières curiosités, notamment cette bâtisse qui est sous l'emprise de la route et qui visiblement n'a pas bougé depuis que les travaux sont en cours. Quelques interrogations donc sur la raison d'être de cet abandon, si on peut le dire ainsi, puisque jusqu'à présent, à ce niveau, le bitume ne passe pas. Cela peut laisser penser que les personnes qui ont été expropriées n'ont certainement pas été indemnisées et ont refusé de libérer les lieux. Des abandons comme celui-ci, il y en a une bonne trentaine sur l'axe Sangmélima-Djoum, long de 107 km.
c'est que les populations situées le long de cet axe ont été expropriées pour cause d'utilité publique. Mais jusqu'ici, elles n'ont rien reçu en guise d'indemnisation. J'ai perdu pratiquement presque la moitié de ma cacaoyère qui avait effectivement les palmiers à huile, quelques arbres fruitiers et puis une fondation qui a été à moitié détruite par l'emprise de la route. Si entre Sambelima et Bikula, le goudron passe, la situation est plus préoccupante sur le tronçon Bikula-Djoum. Nous sommes au village Akombiem, dans l'arrondissement de Djoum, un des villages concernés justement par le tronçon de route qui va de Bikula à Djoum. Ici, plusieurs habitations ont été marquées de la croix de Saint-André, des habitations qui seront détruites, de même que certaines cultures. Ici aussi, les populations attendent toujours d'être indemnisées. Moi qui vous parle, j'ai 7 bâtiments, dont 4 en dur et les autres en semi-dur. Pas d'indemnisation jusqu'à aujourd'hui. Et nous n'arrivons pas à réaménager ces personnes, demandent de ne plus faire les aménagements. On va donc habiter où? Ils ont dévasté tout. Et les mangues, et les bananiers, et tous les ananas, ils ont détruit tout. Et vous faites comment depuis? Pour le moment, on attend toujours l'État. L'État ne veut pas répondre à notre demande. Mais vous êtes quand même rassuré qu'on va vous indemniser, non? Non, nous sommes plus, on attend, moi, je suis dans le doute, on ne sait pas. En attendant l'aboutissement du processus d'indemnisation, le chantier tourne au ralenti, comme ici au village Ndegué, où des ouvriers sont à pied d'œuvre, conscients des retards accusés. On travaille en zigzag. Parce que là où on n'a pas encore indemnisé, on est obligé de sauter. Ça fait que les gens ont l'impression que ça piétine. Parce qu'on voudrait avoir les travaux en continu. Lorsque vous êtes sur le tronçon Sambelima Bikula, vous allez vous rendre compte que l'entreprise adjudicataire a également travaillé de la sorte. C'est un peu en quinconce, quoi. C'est un peu en quinconce. Donc ça nous handicape. Nous qui sommes adjudicataires, les bénéficiaires, que sont les usagers, s'en trouvent également frappés. À la sous-préfecture et à la mairie de Djoum, où nous nous rendons, l'on rassure que le bout du tunnel est pour bientôt. D'après le sous-préfet, le processus d'indemnisation est bouclé et l'on n'attend plus que la fumée blanche qui viendra de la primature. Une attente qui n'a que trop duré. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train d'attendre 3 sortes d'indemnisation. Les cultures, les bâtiments et les tombes. Ce que nous sommes en train de regretter, c'est que la société veut travailler vite, mais l'État ne veut pas indemniser les populations. C'est ce qui fait donc que vous allez voir de gauche à droite, comme vous voyez là, les tournures, les maisons qui sont superposées et autres, c'est à cause de ce problème. Alors si l'État indemnise les populations, la construction de la route va aller très vite. Les populations sont impatientes et ne comprennent pas que le paiement de leur dû traîne, alors que sur le terrain, l'État a déjà engagé les travaux. Nous tentons de comprendre ce phénomène qui est récurrent dans plusieurs projets. La loi de 1985 portant expropriation pour cause d'utilité publique est pourtant claire. L'alinéa 1 de l'article 4 pose le principe de l'indemnisation préalable, malheureusement nuancé par l'alinéa 3 du même article. Ça peut se comprendre aisément. Dès lors qu'il y a l'arrêté porté. Parlons de ces grosses inquiétudes qui apparaissent sur le chantier de construction d'un hôtel 4 étoiles destiné à l'organisation de la Cannes 2019 à Garoua, dans la région du Nord. Le coffrage prévu pour recevoir la dalle du premier étage s'est affaissé. Aucune victime n'a été enregistrée, mais cet incident a entraîné des retards dans l'exécution des travaux. Cependant, l'entreprise prestataire minimise l'impact et rassure sur les mesures prises pour renforcer l'ouvrage de support et livrer ce chantier destiné à abriter la Cannes 2019 au Cameroun, notamment à Garoua, dans la région du Nord. Dans le reste de l'actualité, parlons de ces commerçantes qui n'ont pas manqué d'exprimer leur colère ce matin au marché Bonamoussadi, situé dans le 5e arrondissement de Douala. Elles ont constaté, en venant ouvrir leur boutique, que celles-ci ont été démolies dans la nuit de samedi à dimanche. Le récit des faits avec Nadine Guanfo et Isabelle Carole Zoupet. Manifestation de colère au marché Bonamoussadi, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Plusieurs commerçants ont été surpris très tôt ce matin de découvrir leur boutique
complètement détruite. On a cassé ça cette nuit, on a retrouvé ça cassé cette nuit. Nous sommes dépassés. Hein? Nous sommes venus, on se dépose, on met le papa. Après ce matin, on a détruit. On a percé les tôles. Selon ces commerçants, ces démolitions les enfoncent davantage dans les difficultés qu'ils vivent déjà au quotidien. Le 5 décembre 2017, le marché a pris feu. En pleine fête comme ça là, tous les commerçants étaient égarés, en deuil. Maintenant là, le 30 août, en pleine rentrée scolaire, la majorité du marché, la majorité des boutiques, c'est brûlé au marché. Vraiment, plus de 300 boutiques en pleine rentrée scolaire. Vraiment, on ne connaît même plus quoi faire. Et maintenant là, nous sommes dépassés. On ne connaît même plus la situation. S'il y aura encore marché ou pas. Joint au téléphone, le maire de Douala 5e dit être scandalisé qu'une telle opération de casse se soit menée à son insu. Parlons à présent du village Bonamukuri, Bonakwamouan, en pleine effervescence. Ce village qui a remis des prix aux jeunes lauréats afin de leur permettre de préparer la rentrée scolaire en toute quiétude. Reportage. Au sein de la communauté Bonangandaku, du village Bonébelankong, Bonakwamwang, parents et enfants se sont réunis autour de leur chef pour célébrer l'excellence scolaire et promouvoir la culture. La cérémonie, riche en couleurs, a été ponctuée de plusieurs activités axées sur la maîtrise des us et coutumes par les plus jeunes. Ainsi, un concours a été organisé portant sur l'art de nouer le foulard. Les trois candidates en compétition qui se sont débrouillées tant bien que mal ont au final été édifiées sur la meilleure technique à adopter. Pour les garçons, place au concours de Sanja, avec nos trois candidats qui se sont livrés à plusieurs séances. Et comme pour les filles, ils ont été édifiés sur la meilleure technique à adopter pour nouer son Sanja. Un autre moment important de la cérémonie a été la remise des lots aux élèves qui se sont démarqués durant l'année scolaire dernière. Du CM2, avec ceux qui ont obtenu leur concours et leur certificat d'études primaires, en passant par la troisième, la première, la terminale et ceux du supérieur, tous ont été récompensés. Dans ma semaine, j'ai dit à la masoma aux communautés Bonangandaku, Onyola, Mamabea, Babonino Bisso, Onin année scolaire 2017-2018. Nous disons merci à la communauté pour cette fête concernant les lauréats. Il y a plati misere yo valoba masoma nola ngudia bodino pete biso obamba su ele bana basu o espesikudu babu nyonga su yendena mboa supe bene bana bena bamende buse dina bena usimende be bakwedi debemene be bomi somsoma bomi ene mende su ele mboa su na mboa supe nya le boso tetana mse be se bena ba su ele biso na mongele na mabie de na mbolo disombi obese disombi.
Des recommandations ont été données aux lauréats pour la nouvelle année scolaire afin qu'elle soit un succès total et que la fête soit davantage belle au sein de la communauté Bonangandaku l'année prochaine. Des élèves sensibilisés sur les règles d'hygiène grâce à l'utilisation des produits Bactol pour lutter contre les maladies hydriques. C'est une initiative des laboratoires Biopharma. Une caravane a été lancée dans plusieurs établissements scolaires de la ville de Douala. Reportage. Fidèle à son engagement de garantir une bonne santé à tous les enfants, surtout durant cette année scolaire, l'équipe des laboratoires Biopharma a fait le tour des différents établissements scolaires de la ville de Douala. Objectif, sensibiliser les tout-petits à utiliser le savon et désinfectant Bactol pour une meilleure hygiène corporelle. Le souhait de tous les parents en cette rentrée scolaire, c'est de savoir leurs enfants en bonne santé. Et c'est l'essence même de cette caravane de sensibilisation Bactol. Donc le but de notre action dans les écoles, c'est d'apprendre à tous les enfants les bons gestes afin qu'ils puissent rester à l'abri des microbes, être en bonne santé, être plus performants et mieux affronter leur année scolaire. Premier arrêt, école publique de New Belbassa, dans le deuxième arrondissement de la ville de Douala. Dans une ambiance bon enfant, l'équipe des laboratoires Biopharma explique avec démonstration à l'appui la nécessité d'utiliser les produits Bactol pour barrer la route aux bactéries. Quand les mains sont bien frottées, elles doivent rincer les mains. Ça fait déjà 20 à 30 secondes. Maintenant, se rince les mains. Maintenant, rince les mains. Elle est en train de se rincer les mains. Rince les mains. Rince les mains. Maintenant, les mains sont très bien rincées. Elle va se nettoyer les mains avec soit le papier hygiénique aux toilettes, soit une serviette propre, soit une serviette. Elle est en train de se nettoyer les mains. Les élèves de la maternelle et du primaire ont reçu, à la fin de la séance, les produits Bactol. C'est la même ambiance qui a régné à l'école publique du génie militaire où l'équipe des laboratoires Biopharma a effectué son second arrêt. Le même rituel de lavage des mains avec le savon Bactol s'est fait sous le regard de tous les élèves qui ont reçu par la suite des produits Bactol. We use Bactol soap after using the toilet, after playing, to wash the body, to wash the hands, so that one part of our body should not attack germs. We use Bactol to wash our hands. We use Bactol when to bed. We use Bactol to clean the body. Au groupe scolaire bilingue du Cafrat, ainsi qu'au groupe scolaire bilingue La Roche, les laboratoires Biopharma ont poursuivi leur mission d'assurer une peau saine, propre et fraîche, grâce au produit Bactol. Un message bien reçu par les tout-petits. Le savon Bactol nous protège contre les bactéries. Un élan de générosité salué par le corps enseignant. Le produit Bactol est coaché par une entreprise citoyenne. Aujourd'hui, il nous aide à éduquer les enfants dans le plan propreté. C'est donc mission accomplie pour les laboratoires Biopharma, toujours soucieux du bien-être des tout-petits. Les supermarchés Dove ont 15 ans. Le gâteau d'anniversaire a été. La coupure du gâteau d'anniversaire a été un moment de détente et de célébration, mais aussi un grand moment de réflexion sur l'avenir. Au-delà des acquis, Dove compte aller bien plus loin dans la création des emplois, mais aussi pour fournir des produits de qualité à ses différents clients. Reportage. C'est Adolphe Mendon, le dernier né de la famille, que le gâteau du 15e anniversaire des supermarchés Dove a été savouré, arrosé de champagne. 15 ans de peste, 15 ans. Oh, je vous souhaite à tous. Occasion pour le président directeur général de revisiter un parcours qui n'a pas été de tout repos. Certes, le bilan affiche des résultats satisfaisants au bout de 15 ans d'efforts.
Mais ce n'est pas encore le bout du tunnel que vise le top management. Dans l'environnement économique, la première chose, c'est de ne pas disparaître. Le premier mérite, c'est qu'on est toujours là, on n'est pas mort. On a plutôt un peu évolué. Il reste pas mal de choses à faire. On est content, on voit bien pas mal d'enfants qui ont pris beaucoup de galons dans notre activité, beaucoup qui sont arrivés balayeurs de sol et qui aujourd'hui sont responsables d'agence. Beaucoup qui sont arrivés ici vendeuses à la boulangerie et qui sont directrices. Mais les objectifs sont encore loin d'être atteints. On s'était quand même fixé à la base de faire plusieurs milliers d'emplois. En réalité, 5000. On est loin du compte. Et il est bon pour vous, pour nous, pour tous ceux qui participent au développement de cette activité-là, de mettre la main à la pâte pour que tous les objectifs soient définitivement atteints dans un avenir plutôt proche. DOF, c'est 15 ans de lutte contre la vie chère. C'est surtout 15 ans de création d'emplois au profit de la jeunesse camerounaise. Un parcours qui n'a été possible que grâce à la fidélité des clients qui ont cru au projet dès le premier jour. Mais aussi grâce à la contribution de plusieurs partenaires de poids et de choix, dont la Société anonyme des brasseries du Cameroun. Le groupe SABC, en partenariat avec Dove, s'est associé dès les débuts. Et c'est une fierté pour nous de voir que ces 15 ans, c'est véritablement la réussite, c'est le succès. Et on ne peut que remercier tout d'abord Dove, qui est initiateur du projet, mais également les consommateurs et tous les autres clients qui ont fait confiance à Dove. Et qui dit confiance à Dove, dit confiance à son partenaire majeur, les Brasseries du Cameroun. Et nous avons pris la part belle dans cet événement parce que nous croyons en Dove. Et nous croyons en sa réussite et nous allons continuer à entreprendre de bonnes choses ensemble parce que l'avenir est encore à venir, ça c'est clair. Vous achetez 5 morceaux de salon, on vous donne un morceau gratuit. La célébration du 15e anniversaire permet de marquer une pause afin de poser les jalons du futur. Loin de dormir sur ses lauriers, le top management des supermarchés Dove entend aller encore plus loin dans la lutte contre la pauvreté et la difficile équation du chômage des jeunes. Il faut qu'on fasse croire aux gens qu'à travers le travail, on peut réussir. C'est l'objectif principal, qu'ils se greffent à nous, qu'ensemble on travaille pour apporter notre pierre à l'édifice qui est celui de faire développer le Cameroun, de faire changer les mentalités. On supplie tous les participants, l'État, les clients, tous ceux qui participent au développement de Dove, de continuer à tenir, parce qu'en réalité, une activité comme celle-ci, elle ne m'appartient pas du tout, elle appartient à toute la communauté. Et la communauté se doit de mettre la main à la pâte, de mettre la main à l'étrier pour que ça avance, pour que ça ne cesse jamais d'avancer. À l'occasion de ce 15e anniversaire, Dove a cassé les prix sur quasiment tous les produits, en plus d'avoir facilité la rentrée scolaire à travers la foire aux cahiers et autres fournitures scolaires. Ce à des prix également imbattables. Et le meilleur est à venir, avec dans un bref avenir, l'ouverture de Dove Mesamun Dongo. La Société anonyme des brasseries du Cameroun qui continue de soutenir les moments de cohésion observés durant les championnats de vacances. On en parle dans ce reportage. Communier autour d'une passion commune, vivre des émotions fortes, célébrer des grandes réussites, telle est la mission noble de 33 Export. Telle est la mission que le supporter numéro 1 du football continue de partager où il y a toujours plus de foot. Export, championnat des vacances de football 2018. Pendant 3 mois, la 33 Export a montré son attachement au sport roi. Cette savoureuse bière, amoureuse du football, a montré sa capacité d'attirer ses collègues supporters sur les différents stades de la République afin qu'ils partagent ensemble de merveilleux moments de football. Cette semaine de clôture des vacances scolaires, la 33 Export offre à son public l'expérience des grandes soirées de football.
Ici, à Limbé, le football, qu'il se conjugue au féminin ou au masculin, est un véritable vecteur de cohésion sociale et d'union des cœurs. Le championnat des vacances, ici, est quelque chose de très important. C'est une question de fierté, d'honneur. La compétition n'a cessé de passionner les populations locales. Conscient du fait que le football peut créer de l'espoir, cette semaine, le supporter numéro 1 du football apporte une fois de plus dans les villes de Garoua et Douala une bouffée d'espérance aux supporters du stade Petit Terrain de Bonamoussadi à Douala et au stade Djalingo de Garoua qui sont venus nourrir l'envie de voir leur équipe Fagnon remporter le championnat de vacances de leur localité. Convaincus que le football a le pouvoir d'unir les gens d'une manière quasi unique, le championnat de vacances de la ville de Mbanga et de Yaoundé donne quant à lui l'opportunité aux supporters numéro 1 33 Export de mouiller le maillot afin de le faire savoir aux autres. En clôture de ces championnats de football, le supporter numéro 1 du football a une fois de plus fait preuve de son altruisme légendaire. Elle continuera d'accomplir sa mission et susciter des vocations d'espoir où il y a toujours plus de foot. Avec 33 Export, le supporter numéro 1 du football. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain-Otou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Pour le Tangandji, menace pour la seconde fois les forces séparatistes. Et vous l'avez suivi, dresser le bilan des exactions qu'elles ont commises dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il estime que tôt ou tard, ces forces et ces groupes armés qui sévissent dans les régions anglophones vont être traduits devant les tribunaux, aussi bien le soutien financier qui réside à l'étranger. Serge Alain. Bamenda coupé du reste du Cameroun pendant des heures dans la nuit de samedi à dimanche. Des voyageurs ont raconté l'enfer vécu durant ce week-end à l'entrée de la capitale régionale du Nord-Ouest, des hommes armés qui ont fait irruption dans la nuit, suscitant la psychose chez les voyageurs avec ces mesures prises par le gouverneur du Nord-Ouest qui vient remettre en cause les voyages de nuit privilégiés dans cette région du Cameroun. Voilà, bonne soirée à vous Cédric. Bonne soirée à vous Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain. Voilà, vous avez compris madame, monsieur, ce sera l'essentiel du débrief. Tout à l'heure, je vais retrouver mes experts.